Frères et sœurs, le gouvernement a pris la décision que les uns et les autres peuvent reprendre des activités et surtout reprendre, d'aller dans des temples, des églises prier, rendre grâce à Dieu en communauté. Nous vivons une période difficile, des temps d'angoisse, mais aussi d'incertitude. Et au cœur de notre vie de foi, nous pouvons nous sentir bouleversés, malmenés, interrogés. Pour nous qui sommes au quotidien les chercheurs de Dieu, nous sommes sur le chemin de sa gloire. Nous recherchons cette gloire au quotidien. Et lorsque Moïse a demandé au Seigneur de voir sa gloire, il lui a répondu: Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. J'accorderai ma bienveillance à qui je l'accorde. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Le Seigneur ajouta, Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. De ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra être vu. Personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. En revanche, il nous laisse, frères et sœurs, voir les traces de sa bienveillance et de sa miséricorde lorsqu'il croise notre route, comme ce matin en ce premier dimanche de l'Avent. Nous sommes donc invités à lire, à relire les marques de son passage. Nous sommes invités à nous souvenir de cet temps où il nous a mis dans le creux du rocher, où il nous a abrités de sa main. Et pour cela, je vous invite à la prière. Ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux et nous verrons les traces de tes pas dans nos vies. Ouvre nos oreilles et nous entendrons les paroles de l'Évangile pour nos vies. Ouvre nos bouches, nous qui sommes des biens précieux et essentiels à tes yeux, et nous dirons la prière et la louange de nos vies. Amen. Et nous chantons Cantique 31, 14, Aube nouvelle. Aube nouvelle.
Dieu. Ce matin, je me suis levé avec une légère angoisse au fond de mon cœur. Je suis allé jusqu'à la fenêtre de ma chambre, j'ai ouvert les volets et j'ai poussé un cri de joie. Aujourd'hui, le soleil s'est encore levé. Comme le psalmiste, Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Oui, Dieu nous fait la grâce d'un nouveau jour, jour de louange et de reconnaissance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour le matin et le soir, pour le jour et pour la nuit, pour la couleur et le noir, pour le souffle et pour la vie, bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour les semences d'évangile plantées en notre terre, son souffle sur notre argile qui donne vie à la poussière, bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour la mer et pour les îles, les montagnes et le désert, sa parole dans nos exils et le silence du calvaire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et nous chantons Dieu Tout-Puissant, la strophe 1 et 2, au cantique 41, 29. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Présentons nos péchés à Dieu. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir de la parole de confession et de la libération du pardon. Écoutons-le. Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait, comme au cœur de l'été. Je t'ai avoué mon péché. Je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses, je les ai confessées. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi ce matin, dans la vérité de notre humanité. Tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements et de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais la lâcheté de nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs ni de nos aigreurs.
Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous voulons maintenant te dire notre misère et te déposer ce qui nous pèse. Me voici devant toi, comme un pauvre, un mendiant. Et me voici devant toi, confiant, comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère. Tu pardonnes à qui s'abandonne. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est de ce repos dont parlait David lorsqu'il disait au début du psaume « Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas la faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. » Que le pardon de Dieu soit ta forteresse. Que le salut de Dieu soit ton unique richesse. Que la joie de Dieu soit ton allégresse.
Amen. Nous chantons le cantique 4805, strophes 1 et 2. Quel ami fidèle et tendre. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime et mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim et préoccupe-toi du malheureux, sans abri, et ne détourne point ton prochain. Nous chantons le cantique 12, 7, strophes 1 et 2. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est lui, votre...
Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Nous lirons trois extraits de texte en ce premier dimanche de l'Avent. D'abord, nous lirons dans l'Ancien Testament, Ésaïe au chapitre 63, les versets 16 à 64, puis au chapitre 7, les versets 1. C'est Ayola qui fera la lecture. Puis la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 1, les versets 3 à 9, par Saïndra. Et enfin, l'Évangile selon Marc au chapitre 13, les versets 32 à 37. Et ce sera lu par Christian. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, en ce premier dimanche de l'Avent, temps de l'attente, que ta parole nous donne d'être dynamique pendant cette attente et qu'elle vienne nous redonner les forces pour continuer à vivre dans l'espérance et la joie. Viens et parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ésaïe 64, 16, 64, 4 à 7. Pourtant, tu es notre Père. Abraham, notre ancêtre, ne sait rien de nous. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre libérateur. Voilà ton nom depuis toujours. Seigneur, tu as laissé nos pères loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Reviens par amour pour nous, qui sommes tes serviteurs. Le peuple t'appartient. Nous, ton peuple saint, nous avons possédé le pays pendant très peu de temps. Nos ennemis ont écrasé ton lieu saint. Depuis longtemps, c'est comme si tu n'étais plus notre roi, comme si nous ne portions plus ton nom. Ah, si tu déchirais le ciel et que tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Tu viens à la rencontre de ceux qui pratiquent la justice avec joie, qui se souviennent de ton nom. Poursuive ton chemin. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes, mais nous ne serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. Nous sommes tous comme des gens impurs. Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Personne ne fait appel à toi. Personne ne se réveille pour s'attacher à toi. En effet, tu ne veux plus nous voir et tu nous as abandonnés au pouvoir de nos fautes. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le portier. Tes mains nous ont tous formés. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de Marc 13, 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils. Mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi.
Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Peut-être que nous nous sommes levés ce matin de notre lit avec une grande surprise, laquelle je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis hier, nous avons eu cette annonce importante. Certains ouvriers doivent reprendre du service, certains magasins doivent réouvrir, les chrétiens, les croyants doivent reprendre le chemin des lieux de prière, et peut-être que ce matin aussi, tu es simplement surpris de te lever et d'être compté parmi les vivants. En réalité, le dictionnaire Larousse définit la surprise comme étant l'état de quelqu'un qui est frappé par quelque chose d'inattendu. Plusieurs événements peuvent provoquer en nous un sentiment de surprise. Un cadeau offert, une attitude envers quelqu'un, un acte posé, une annonce gouvernementale, une parole, pour ne citer que cela. L'effet provoqué par ces annonces peut être une surprise agréable ou désagréable. C'est ce à quoi les textes que nous avons lus semblent nous rendre attentifs en ce premier dimanche de l'Avent. L'Avent est la période pendant laquelle l'Église tout entière se prépare à la commémoration de la venue du Christ, symboliquement fêtée à Noël, d'où le thème de notre méditation. Veux-tu te laisser surprendre? Étymologiquement, l'avant vient du mot latin aventus qui signifie avènement. Cette période ecclésiale est cristallisée autour de trois attentes. D'abord, il fait revivre la soif du peuple juif de la venue du Messie attendu depuis le péché originel. Ensuite, ce temps incite les croyants que nous sommes à accueillir le règne de Dieu en Jésus-Christ dans la réalité de notre vie quotidienne. Et enfin, il marque le temps de l'attente de l'avènement de Goël en hébreu qui signifie le libérateur qui viendra parmi les êtres humains à la fin des temps, comme dit Ésaïe au verset 16 du chapitre 64 que nous avons lu comme première lecture. Ce Goël, c'est-à-dire ce libérateur, est donc le Christ avec l'image du potier qui donne forme à la pâte à modeler. Dieu libérateur dont le seul désir est de libérer l'être humain de tout ce qui le rend esclave, y compris l'idolâtrie de toutes choses et parfois de ses propres pensées. Peuple de Dieu, le récit de l'Évangile selon Marc met quant à lui un point d'honneur sur le verbe « veiller » comme antidote d'une surprise désagréable, et c'est à juste titre que nous pouvons nous demander pourquoi. En réalité, le Seigneur fait de nous des gardiens de sa maison afin de pouvoir repousser les attaques multiformes de l'ennemi. Ces ennemis peuvent être à l'extérieur et à l'intérieur de nous. La difficulté de rendre témoignage de ce en qui nous croyons peut aujourd'hui être un ennemi potentiel parmi tant d'autres
mais il apparaît dangereux à certains endroits de notre planète de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ au risque de connaître inimitié, mépris, perte de nos biens, voire de notre vie. Les témoignages des uns et des autres l'ont prouvé lors du culte du 8 novembre autour de l'Église persécutée. Il en va de même de notre ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur, c'est notre chair. Elle peut être en opposition avec les désirs de l'esprit, au point de nous détourner de l'accueil de la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangéliste nous exhorte à veiller, même si cela n'est pas facile, puisque nous sommes happés au quotidien par de nombreuses sollicitations. Malgré tout, nous avons déjà l'habitude de veiller, me diriez-vous, avec raison. Nous veillons régulièrement sur notre avoir en banque. Nous veillons à faire fructifier notre patrimoine pour être à l'abri du manque et de la crise. Nous prenons des précautions en évitant d'aller à certains endroits considérés comme dangereux. Nous veillons sur notre santé, nous veillons sur notre famille. Tout cela se nomme autoprotection. Est-ce suffisant? En ce jour, nous sommes invités, en plus de l'autoprotection, à veiller, c'est-à-dire à prier. De le faire malgré nos préoccupations nombreuses et légitimes, malgré nos inquiétudes justifiées. Oui, il faut veiller, et pour ce faire, il faut rester éveillé, nous rappelle le texte. Voilà pourquoi l'Avent est un temps dynamique, un moment par excellence où nous nous rappelons sans cesse la fidélité de Dieu à son projet pour y puiser la force de faire avancer chacun avec espérance. Au verset 9 de sa lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Renouvelés alors dans cette confiance avec le Christ, nous veillons avec joie et bonheur. Souvenons-nous que le récit de l'évangéliste Marc vise, frères et sœurs, à encourager ceux et celles en proie au havre de la persécution. Il veut affermir leur espérance, ancrer leur attente solidement dans les promesses divines et non les paralyser en leur annonçant des événements sulfureux. Tous aspirent non à des événements planétaires, mais au retour d'une espérance, le retour de leur maître, Jésus, le Christ ressuscité, monté au ciel et qui surtout a promis de revenir. Et nul, si ce n'est le Père, ne sait le jour et l'heure. Tout ce qu'il nous demande, eh bien, c'est de veiller. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vivons depuis plusieurs mois sous la menace de la pandémie liée à la COVID-19. Les mesures gouvernementales sont prises ça et là afin de pouvoir enrayer cette épidémie. Il convoque pour cela notre responsabilité personnelle et collective. Après le premier confinement, le second confinement est intervenu avec des classifications mettant en exergue des biens essentiels et des biens non essentiels. À cela s'est ajouté les formes de violence extrémistes interrogeant notre vivre ensemble. Tous ces faits ont accéléré la peur, suscitant l'isolement des uns et des autres et surtout des plus fragiles.
Comment veiller en ce temps de l'Avent, toi qui es essentiellement précieux aux yeux de Dieu et de tes frères et sœurs? Comment veiller, toi qui es essentiel aux yeux de Jésus le Christ, en qui ta confiance a été posée dès ton baptême? Veiller, c'est éviter de se laisser gagner par la peur. Veiller, c'est regarder dans le sens de l'espérance. Veiller, c'est accepter de changer notre regard sur notre monde et sur nos frères et sœurs. Veiller, c'est ne jamais s'arrêter de témoigner de cette espérance qui nous met en mouvement. Le Christ, quant à lui, ne cesse de venir. Il ne cesse jamais de chercher à entrer en relation avec toi et avec chacun de nous, fort de sa parole qui enrichit la vision de notre quotidien. Malgré ton désarroi, malgré ta faiblesse, malgré ta colère et ton incompréhension que le Christ connaît sans les justifier, il a promis de ne jamais t'abandonner. Lui qui marche toujours devant toi. Ma sœur, mon frère, reste éveillé avec le Christ qui n'a jamais cessé de faire de toi un allié précieux et essentiel à ses yeux, capable de communiquer la joie, l'espérance et l'amour qui sont les antivirus qui chassent la peur et te préservent de toute surprise désagréable. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 51:11. Chante, chante, peuple joyeux. Et Morgane me conduira dans la confession de foi. L'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux, et qui n'avait pas une pierre où poser la tête. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui pleurent, car eux seront consolés, et qui a pleuré devant la tombe de son ami. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les humbles, car eux hériteront de la terre, et qui s'est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car eux seront rassasiés », et qui a touché le lépreux pour protester contre son rejet. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les miséricordieux, car eux, il sera fait miséricorde », et qui a arrêté les religieux qui voulaient lapider les femmes adultères. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les cœurs purs, car eux verront Dieu », et qui a laissé une femme verser un parfum de grand prix sur ses pieds. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les artisans de paix, car eux seront appelés fils de Dieu. » Et qui a refusé de se défendre quand on est venu l'arrêter. Je crois en l'homme qui a dit « Heureux les persécutés, à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et qui a été injustement condamné et crucifié. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts par son esprit. Il est avec nous tous.
tous les jours, il nous appelle à vivre dans l'esprit de la béatitude. Amen. Nous chantons le cantique 1403, Magnifique est le Seigneur. Notre président de la République a annoncé cette semaine la reprise des célébrations des cultes à partir de ce dimanche 29 novembre. Il nous faut rester néanmoins vigilants en cette période de crise sanitaire et nous devons respecter scrupuleusement le protocole sanitaire par la pratique des gestes barrières énoncés ces derniers mois. Port du masque obligatoire, lavage des mains, limitation des déplacements et croisements dans le temple, organisation de l'accueil à l'entrée du temple, distanciation, ceci même à l'entrée et à la sortie du culte. À ces règles suivies depuis plusieurs mois, il nous est maintenant demandé de limiter l'accueil à 30 personnes dans le temple. Le conseil presbytéral réfléchit à cette organisation et communiquera prochainement. Donc rendez-vous dimanche prochain pour un culte en présentiel au temple de Niort et toujours un culte en vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par nos dons, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Cette année a été une année particulière, bousculée par la crise sanitaire. Les finances de la paroisse ne nous permettent pas, à date, de payer la totalité de la cible. Et oui, malgré vos dons, et le conseil presbytéral vous en remercie, nous ne sommes pas à la cible. Alors si durant le confinement, vous n'aviez pas encore donné, vous pouvez encore le faire. N'hésitez pas à vous rapprocher du trésorier pour avoir plus de détails. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Amen. Je vous invite à prier les uns pour les autres. Prions le Seigneur. L'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Écriture, « Soyez toujours joyeux. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. » Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix car ils vivent la haine, la violence, l'oppression et la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil, de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme
et des jugements hâtifs. Nous te prions, Seigneur, pour que notre monde vive ces paroles que tu as laissées. Nous te remercions tous pour ces moments de prière et te remettons tous ceux que tu confies à notre prière et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, ceux qui se culpabilisent parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les ouvriers, les salariés, afin que tu leur donnes le courage au quotidien d'être au service tel que tu les en appelles. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage d'amour et de réconciliation. Nous te confions, Seigneur, Adrien Castin, Colette Massicard, Jeannette et Daniel Foucault, Jeannette Fortin, Marie-Rose et Régis Simon, Marcel Fichet, Micheline Pouvreau, Omer Gauthier, Patricia Guignard, Odette et Gérard Aubert, Jacques Roy et tous les autres seigneurs que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes la joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges et tes commandements et les répandre, les anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Nous te confions l'Église. Renouvelle sa mission d'annonce de la bonne nouvelle. Redonne les forces à ses serviteurs, de près ou de loin. Éloigne le découragement, la peur et le désarroi. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je tiens à remercier ceux et celles qui m'ont accompagné à la célébration de ce service cultuel ce matin. Je pense à Marine, je pense également à Morgane, à Ayola, à Saïndra, à Christian.
Je pense également à Marie-France et vous tous, de près ou de loin, qui regardez ces cultes, qui partagez avec nous quelques retours. Et maintenant, veuillons recevoir quelques exhortations et la bénédiction finale. Oui, frères et sœurs, quand Pierre a rejoint le Seigneur sur le rivage, Jésus lui a posé trois fois la même question, « M'aimes-tu ?» Trois fois, Pierre a confessé son amour et trois fois, Jésus lui a dit, « Prends soin de ceux que je te confie. » Durant notre culte, en ce premier dimanche de l'Avent, nous avons reconnu la présence de Jésus-Christ. Nous avons fait mémoire de sa vie et de sa parole. Nous avons confessé notre foi et dit notre amour. Il nous envoie maintenant comme disciples pour prendre soin les uns des autres, pour vivre l'Évangile, pour habiter l'espérance. Il souhaite que nous restions éveillés. Veiller, c'est éviter de se laisser gagner par la peur. Veiller, c'est regarder dans le sens de l'espérance. Veiller, c'est accepter de changer notre regard sur notre monde et sur nos frères et sœurs. Veiller, c'est ne jamais s'arrêter de témoigner de cette espérance qui nous met en mouvement. Veiller, c'est rester en parfaite harmonie au quotidien, avec soi-même, avec les autres, dans l'attente du retour du Christ. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Que son règne vienne en vous et par vous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Et nous terminons en chantant le cantique 62-83, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur.